Bonjour à tous, bienvenue devant la conscience mécanique, Technopolis, planète mère du protectorat des Tekabot. Et c'est Tekamon qui vous retrouve avec Megacorp, Stellaris, la guerre à gogo, la simulation ratée, et on va essayer de sortir les doigts d'où on peut. Bref, j'espère que vous allez très bien. Ah, je voulais revoir un peu ma petite planète. Voilà, ça lag parce que c'est le début avec le recorder. Épisode 29, déjà. Déjà à deux par semaine, ouais, je peux pas plus, hein, je suis vraiment navré. Mais c'est pour ça que les parties durent un poil plus longtemps. Alors, je voulais regarder un truc. On va laisser défiler. De toute façon, pour l'instant, je peux pas améliorer complètement mes vaisseaux. On a vu quoi? Dernier épisode, que c'était vraiment pas une vassalisation, la simulation. C'est qu'ils sont intégrés à moi, que ça a explosé du coup mon empire en extension à 660. Alors, qu'est-ce qui coûte très cher? Bon, les technos, ça peut aller. Parce que je fais plein de labos en compensation. Mais le coût des personnalités, des campagnes, tout ça, c'est très cher. Par 5, ça reste raisonnable. Armée 69, personnalité 160. Bon, on fait encore du plus 800 en énergie. On est remonté en minéraux. On est stable en bien de consommation. Bref, on fait du fric avec les alliages. Regardez, 453 alliages par mois. C'est de la folie. Alors, donc, on est en train de renforcer nos flottes. On va laisser nos planètes comme ça, tranquille. On a fait plein de planètes aussi dans l'épisode. On est en train d'upgrader toutes nos stations. En fait, je voudrais augmenter mes stocks. Si je coûte cher en campagne, je veux être prudent. Station Atlas, défense. Oui. Tiens, d'ailleurs, c'est où celle-là? Ah, c'est toi. Il est déjà pas mal, hein. On en fait encore 3 chez Station. Et ça coûte 300. Voilà, on en fait le max. Ça a coûté 4000. On va le laisser faire, ça va être un truc de ouf. Et ma politique, alors, justement, restauration de l'ordre sur Jurg Chandar. Ok. On va jeter un œil. Ah oui, ça remonte bien. Du coup, en logement 21, 11 en civil, en service. Voilà, si je veux gagner encore plus de logements, du coup, ça pourrait être pas mal. Construction complete. Les dépôts de maintenance, j'en ai deux. Construction complete. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une techno qui permet d'améliorer les dépôts de maintenance. Ça serait super. Pour l'instant... Est-ce que je me ferais pas un bastion? Assemblage, non. Technological acquisition successful. On va voir en cristaux, tiens, rare. Construction complete. On a 7 en volatile, 6 en exotique et 5 en cristaux. Ouf. Mais il fait déjà un truc, lui. Purification des minéraux. Allez, vous êtes à 17. Ah oui, c'est qu'ils ont vachement baissé. Non, 46 pop, voilà. Et ça, c'est quoi? Emploi disponible 17. Ouais, dans 4, ils arrivent là. Et on fera un truc du cristaux et on améliorera après sur cette planète. Bon, bah, c'est très bien. Alors, une techno, oui, bah, cool. 17%. Le gouverneur est là. Front of Bronze, super. Unité sociale. Nœud du réseau maintenant. Pénurie de services énorme. Eh ben écoute, on n'a pas le choix. Là j'ai vraiment une urgence. Hein. Elle est où celle-là? Ah ouais, y a que ça en service. Recherche. Plus 3 en service là. On va en faire un, parce qu'on va pouvoir le booster après. Ça va leur donner du boulot. Allez, on reprend, on avance le temps. Bien, nous voilà en science physique avec Grodson, un gros champignon. Capteur tachyonique. Le lance à particules. Ouh. En fait, j'ai l'impression d'avoir bursté un peu en science depuis là. Intelligence autonome des vaisseaux, ça me fait un peu peur. C'est pas urgent. Le disque
disrupteur phasé par contre. Ça c'est pour les gros. En 6 mois. On va peut-être réfléchir à ça pour le cuirasser quand même. Et on se fait insulter? Ah non. Non, 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 non. Voilà. Construction complete. Tiens, c'est marrant, par contre, je n'ai pas de mise à jour. J'ai bien sauvegardé. J'ai amélioré les boucliers, je me souvenais pas avoir mis à jour. Ah ah! Je pouvais pas, c'est vrai, parce que c'était en construction. Petit exemple. Oui. Et du coup, ici... Le laser, ça c'est ok. Il est passé... Ouais, on est encore en train de chercher, mais il propre propulseur 3 est passé. Il est bon, moins 50%, ça c'est cool. Ok, on peut les améliorer, ça y est. Alors les destroyers, on va refaire. Alors comme c'était en craft, là, je pouvais absolument pas. J'étais bloqué. C'est un peu de tout, hein. Allez, mon petit dard. Ça consomme mais pas tant que ça d'énergie, ça va. Ouais, on avait vu que ça, c'était bien quand même. 110 et l'autre... 60... Ouais, c'est supérieur. Le rayon laser X ou 10 plutôt. Quelle est la différence entre les deux? Celui-là ne touche pas au bouclier. Celui-là défonce ses boucliers. 1,96. 3,84, portée 40. Il est pas dégueu, hein. Mais une portée très courte. Ouais, donc c'est pas trop utile. Ok, donc les mises à jour ont l'air de se faire. Et le bourrinator, le voilà. Ok. Donc là, ça a l'air bon. Combien ça va me coûter? 675. Allez. Mise à jour. L'invisible armada de Tomari, qui est toujours là, vivant. Mais c'est un robot, c'est un TKBot. Donc tu vas bien. Mise à jour. L'assimilatrice commandée par Sungab. Alors si vous voulez le nom de cet amiral, manifestez-vous dans les commentaires, n'hésitez pas. Ouais, parce que t'as pas de chantier plus proche. C'est vrai? Attends. Station d'attache, Sibar. Ah, l'assimilatrice est là. Ouais, bah si. Vas-y, viens. On va faire la guerre. Alors, déviance plus 15, on va être rendu. 33 en criminalité. Construction complete. Et Technopolis, c'est un gros problème. Allez, on remonte jusqu'en haut. Technological acquisition successful. Bon, j'ai un gouverneur, j'ai tout. Manque de logement. Une employée 12. Comment être repéré? Unité super. Interrompt le développement des pop sur ce monde. Construction complete. Je pense qu'on va prendre ça, on verra comment ça se passe. Capitale artificielle. Et est-ce qu'on peut la terraformer? Parce que là, on est en quoi? Un monde de savane à 100%? Monde océanique, subarctique, mon truc. Il n'y a pas de truc mécanique encore, il faudra que je cherche la techno. Réacteur 0. Ça pourrait être intéressant, le canon à plasma. Le laser gamma. Activation de portail. Ouais.
Ça me semble un peu chaud. Pour l'instant, on va embêter un peu nos voisins. Je vais réfléchir à ça. On verra. Techno, tu m'embêtes, hein. Bon, là, on peut créer des emplois encore, ça va. Il t'en reste même deux. T'es en pénurie en minéraux, mais tu peux pas. Construction complete. Construction complete. Voyez doucement. Bon, d'une aussi, c'est assez compliqué. Moins 3 en logement. Alors, le problème, c'est que je consomme beaucoup de cristaux rares. Oui. Et on va en refaire d'autres. Tiens, on va prendre 10 minéraux puisqu'on est bien. Est-ce que t'as une usine de cristaux rares, toi? Non, tu fais de la... D'accord. Scientifique. On peut burster l'énergie. Allez, il va être temps parce que là, ça coûte cher. On est sur Dune. Il nous reste 4 secteurs à développer. Cristaux de synthèse, ça pourrait être sympa aussi. Ouais, mais c'est demandé. Purification minéraux, on va les oublier. Dépôt de maintenance en service, on est à 54, il n'y a pas besoin. Sentinelle, il n'y a pas besoin. On va prévoir, hein. Je pense que là ça va coincer. Super ordinateur planétaire. Et du coup. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Stockage plein, oui. Trop d'énergie. Ouais, bah écoute. Voilà, on a acheté un petit peu. On va s'acheter des éléments rares. Ça peut être une solution. Alors, on prépare nos flottes. Il est temps de se bouger un peu quand même, là. On a fait tout le tour. On va laisser les planètes croître doucement. 740, c'est toi qui as Galamon. Ok. Et 846, c'est toi. Donc là, il y a une fusion à faire. Elle veut pas se faire. Voilà. Hop, 1000. Allez, on arrive. 280. Ah oui, ça commence à être beau là, côté troupe. Ça rigole pas. Très bien, on va les laisser rapprocher. Construction complete. On voyait le pourcentage de... Ah oui, d'accord, on laisse des places et il reste plus que l'invisible Armada. 2%. Parce que je ramène des vaisseaux et le compteur redémarre à zéro, ça va être ça. On va faire un cuirassé, un bourrinator pour voir. Oh, les améliorations en cours. D'accord, 95e action. on va le laisser faire. Après, la question, c'est est-ce que tu as besoin de tout ça? Construction complete. Voilà, c'était une frontière qui n'a plus d'intérêt. Il y a un chantier naval. Construction complete. Faut que je fasse les citadelles. Ok.
qu'il y a une protection là, une ici, d'accord. Ouais, ça en fait 3 ici, ça fait beaucoup. Hein. Et lui en voisin, il a qui après? Après, il n'y a qu'une sortie, donc je pourrais économiser une station. Parfait. Technological acquisition successful. Est-ce que je fais un ancrage? Ok. Là, on est d'accord, j'enverrai le tour. Stockage. On avait dit que ça servirait un petit peu les stations centrales, ça pourrait aider. Voilà, on va faire ça. Ingénierie. Alors, ah, ça commence à être bien là. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Plus 200 points de coque des destroyers. DCA. Citadelle en 17 mois. Allez. Construction complete. Plein de planètes à coloniser que je ne ferai pas, évidemment. Pour l'instant, c'est pas la peine. Quoique là, un monde subarctique. 22. Ouh. Qui peut venir? On va les envoyer. Secteur, monde aride. Les petites berniques. Ok. On va améliorer ça. Et le monde continental est tout petit là. Il y a des choses. Recherche, ça, minerai produit par contre pas terrible. Technological acquisition successful. Allez, on envoie les berniques hurlantes coloniser aussi un peu. Donc ça fait du monde à coloniser d'un coup. À tout de l'ascension plus 1. C'est quoi? C'est possible? Permet ambition unitariste. De nouveaux décrets. Identique en coût pour atteindre une nouvelle tradition. User d'une ambition qu'on n'accroît pas le coût d'unité des traditions ou des ambitions suivantes. Ah 70 mois. Ah oui, par contre, ouf. Capacité administrative. 96 mois. Il va me falloir changer de spécialiste là, en urgence. Hein, Non, ça fait drôlement mal. 35. Pas terrible, hein. Honnêtement, il n'y a personne qui peut faire ça pour toi. Ah oui, c'est que nouveau monde, gouverné ou biologie. Vitesse de recherche plus 5. J'ai qu'un bonus de plus 5%. Et toi, t'as un bonus de 10. Donc, on va te laisser pour l'instant. On va surveiller. Hein. Ça fait mal.
Ça fait mal, et on fait le tour des stations quand même un petit peu. Bon, ici on n'est pas idiot. Les spéculums, est-ce qu'on peut les enlever? On les a enlevés. Allez, on améliore tout ça. Jamais oublier sa défense. Là, c'est bon. Et Ophel, Spiculum, ben voilà. Hop. Les premières qu'on pouvait pas modifier, on les vire. J'ai 9 plateformes, je peux en avoir jusqu'à 17. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Guril. Pourquoi ? Problème de logement ? On va régler ça. On a 10 secteurs à faire. Ah bah alors les gars. Et ça me donne combien ? 12 d'énergie. Voilà, on va faire de l'énergie à fond. Côté logement, on va booster tout. Hein. Il ne reste plus que 2 secteurs et sachant que tout le reste est fait. Voilà. Réseau énergétique, alors, labo de recherche, centre scientifique. Super ordinateur planétaire. Et donc, il me faut du sociétal à fond. Microscope, assemblage de pop, commerce. Ah, il n'y a que ça. Hein. Bon, après, il ne faut pas se prendre la tête. Christora, par contre, ça commence à être la dèche. Deux centrales comme ça. Et en service, c'est pas terrible. Hop, voilà. Et c'est qui vit là-dessus? Oh, les champignons, ils s'en vont. Ça bouge, hein, pas mal. Hein. D'accord. Allez, on reprend. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, nos flottes. C'est pas fini. La flotte de Tomari, 17 000. On va accélérer. Ok, on voit comme ça. Où est l'ascenseur du coup? Il est là. J'ai l'impression que c'est bloqué. On est bien pourtant. 40 croiseurs, 30 destroyers. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. D'accord, il y a 5. Encore comme ça, 5, 5, 5. Chantier spatial, oui. On peut augmenter l'ancrage quand même par sécurité. Voilà. Alors, interférence au signal d'activité des déviances aux colonies émérita. Qu'est-ce qu'ils me font? Ils interfèrent avec les opérations des unités pleinement fonctionnelles. Ah oui, ça va mal.
Enfin, on est rendu à 108. Stabilité moins 30. Pouf. Centrale chimique, centrale piège à particules. 2 et entretien 10. La centrale chimique, non. Par contre, on va la remplacer. Construction complete. Drone de combat. Voilà, pose sentinelle. En urgence. Et on va pouvoir même remplacer ça. Bastion, en urgence. Ah mais j'en ai déjà un. On va faire autre chose. L'académie militaire. Expérience de base des armées plus 100. Emploi de drone de combat plus 1. On va essayer ça. Et je suis full. Oh, punaise. J'ai un stock de combien? 25. Allez, on va acheter ça. On va racheter... Non, là, l'ambiance de consommation, ça va. Des particules, allez. On est à 3800, c'est bon. Et en nourriture, du coup, on va en vendre... 10 000, voilà. On rentre dans nos frais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Rabinoc. Ouais, je suis complètement bloqué, hein. Vous savez, il y a un bug. Amélioration à zéro. Tout est à zéro. Ah, parce que l'invisible est déjà là. D'accord, il doit améliorer celui-là d'abord. Ah oui. Compris. Figé. Chantier spatial. La flotte québécoise. Ah, le tech. Chantier spatial, allez, amélioration à forteresse. Construction complete. Ah mais je vous jure, des fois, il me faudrait 3 cerveaux hein, pour être fonctionnel. Construction complete. Alors le chantier. Ça travaille. Construction complete. Ça monte. 314. On est bien. On va ramener les autres petites troupes. Est-ce qu'il m'en reste un peu qui traîne par là? Par contre, on avait un problème. On va donc faire des recherches à ce niveau-là. Parce que ça suffit plus. Tu es là. Ah bah attends. Tu vas même faire ici d'abord, 2 points ici. Je les ai pas fait au début parce que je croyais qu'il y en avait trop, mais maintenant quand je vois le coup que ça prend. Station ici aussi. Là, il n'y a rien de particulier. Technological acquisition successful. Ok, donc là, il y en a un. Tu me le prends. Bêta Hydri, 3 points, tu vas le faire. T'es parti par là. Là, il n'y a plus rien. On reprend ici. Et donc à Ribor. Très bien. Et on va vérifier. Dernier point. Non, c'est bon. Ok. Nouvelle techno. Alors, le réacteur à 0.0. Défense synchronisée.
Super calculateur de défense. Encore des plateformes, bof. On peut peut-être améliorer les scripteurs. On va l'améliorer. Oh là 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 là. Et on va se calmer là, je pensais être prêt, mais au moins on aura géré un problème insoluble, le chantier spatial. Alors on va juste attendre du coup que ça pop. Et on va lancer la mise à jour québécoise. Et au prochain épisode, on va les envahir. Promis. Du coup, il y aura peut-être un épisode pour le dimanche. Attention. Il y a des périodes de gestion complètement ouf. Ça manque de quêtes pour augmenter capacité administrative en boucle. Ça, je n'en vois pas. C'est un peu lourd. Vaisseau scientifique. Est-ce que vous avez des choses à voir, les gars? Et par contre, il y a ça. Ça pourrait être marrant. On pourrait nettoyer comme ça. C'était pas une cité... Ah, si, si, si. C'est tout ça, l'Empire de Proval, en fait. Ça me revient. On voit les colons qui se promènent. Parfait. Le chantier est bon. Alors, Rich Cool, améliorer la flotte. Ça m'a l'air bon. Bah écoutez, on se retrouve au prochain épisode. Merci pour votre patience et je vous dis à bientôt, c'est Tech. Avec les Techabots et enfin amélioration à gogo, on pouvait faire la gestion, la planification des flottes. Construction complete. À bientôt, c'était épisode 29. À la prochaine.